Eh bien, salut tout le monde, c'est Eric, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 déjà. Je suis en train de me dire épisode 9 de MGS5. Et regardez mon petit chien un petit peu, j'ai personnalisé un peu sa touffe. Et il est devenu un peu en mode renard, il est super classe. Voilà, bon, lance-roquettes au niveau des équipements. Bon, ça a pas trop changé, je suis passé rang 25 au niveau de l'équipe de recherche et développement. Voilà, donc on va lancer la mission, la 13e, donc on avait dit. Alors, du pétrole brut s'échappe d'un site occupé par les forces locales pour arrêter la fuite, fermer la pompe de transfert et détruisez le réservoir séparateur pour l'eau huileuse avec des explosifs. Donc, je suis en train de me dire qu'on va avoir besoin d'explosifs. Bon, on va prendre le lance-roquettes, hein, voilà. Moi je dis c'est parti, acceptez la mission. Donc j'ai pu, c'est bon, j'ai donc la charge comme vous voyez en bas à gauche. J'ai la charge de Fluxton niveau 2 qui me permet de voler des véhicules, des armes anti-aériennes, des conteneurs, etc. Donc c'est super pratique. Maintenant je vais pouvoir un petit peu faire envoler un petit peu tout le monde. Donc du coup j'ai pu emporter un véhicule que j'ai un peu personnalisé, ce qui est vachement pratique. Ça, on va dire que ça remplace un peu The Horse, le cheval qu'on avait. Ça le remplace parce que du coup ça me permet d'aller assez vite d'un point à un autre sans trop de problèmes. Et puis je pense qu'on va lancer la mission tranquillement. Choix du personnage, oui bon non mais c'est bon. J'ai un pistolet tranquillisant niveau 3 aussi. Mon fusil d'assaut je l'ai pas changé, je devrais. Surtout que j'avais la possibilité de changer. Ok, donc mission 13, et puis après on verra. Came from Intel. The target is Angola's Mfinda oil field, upstream from the landing point. A spill has covered the whole area and crude. A pipeline that crosses the Muneni River failed, and now the shore's a mess. Not to mention the villages downstream have no drinking water. Ah ouais, dur, tout est inondé par le pétrole. Les pipelines sont percés ou je sais pas quoi. Sont cassés. The oil runs to the pipeline from that facility. Taking it out should end the leak. The client this time is an environmental NGO. Destroy the facility. Stop that leak. This may seem like straight up philanthropy. But there's another reason we agreed to it. The Mfinda oil field was outdated, abandoned. Then the rebel group UNITA moved in, taking it upon themselves to kickstart operations. UNITA's been rapidly modernizing its arsenal. Rumor has it someone's been selling them US military hardware. Intel's analysis suggests the brokers are front company, Cyphers. Keeping tabs on UNITA could tell us who's pulling its strings. Ok, donc faut que je détruise le site pétrolier. J'ai bien fait de prendre mon lance-roquette, je crois. Ok. Donc c'est plutôt une bonne chose tout ça. C'est plutôt. Et donc comme on avait dit, on est bien en Afrique centrale. Ça y est, on est en Afrique centrale. Je surkiffe l'environnement. J'adore. Allez mon chien, viens avec moi un peu. Ah ouais d'accord, ok, il y a du pétrole de partout, c'est dégueulasse. Cool face. Oh lolo. Ok, putain que j'adore ce changement de paysage. Je kiffe, ça me rappelle, alors pour ceux qui ont joué, ça me rappelle MGS3, où on commence en fait, dans MGS3, j'ai pu faire que le début en fait. Je me suis arrêté d'ailleurs à l'endroit où on combat Oslo avec ses deux revolvers là qui manient à la perfection et tout et tout. Oui, d'accord. D'accord. Ok, c'est bien, c'est cool. Arrête de parler, stop là, putain! Alors, ça ne me dit absolument pas où je dois aller.
À moins que mon chien me montre l'endroit. Ça y est, on y est les gens. Waouh. La carte. Ah. Ok. Bon, il n'y a que cette base-là, en gros, à traverser, et après, on est à l'objectif. D'accord. Ouais, ok, lui, il a un A en unité de combat. Bon, arrête de parler, s'il te plaît, putain, ferme ta gueule. Oh là. Bon, ok, toi, t'es nul. Ouais, maintenant, j'ai l'habitude de les scanner, comme ça, je peux voir qui je recrute pour un petit peu rentabiliser tout ça. Alors attention, le mec là-haut est intéressant parce qu'il a un... Il est assez bon en combat. Analysis complete. Apparemment ça va. On peut aller voir dans cette baraque. Ok, on peut pas aller voir dans cette baraque. Oh, il y a un bateau et tout, carrément. Je vais aller voir sur le bateau, à mon avis, il y a des trucs. Il y a des trucs sur ce putain de bateau, c'est quasiment obligé. Sur le bateau, hein. Ouais, c'est qui ce mec? Ok, c'est un épouvantail, putain. J'ai pris ça pour un mec, bon, c'est... Et je vais monter sur le bateau. Je veux monter sur ce bateau. Je veux. Déjà, je kiffe l'ambiance. Est-ce que t'es bon, toi? Oh, t'es bon, toi! Tac! C'est une bonne, un bon médecin. Hop. Je vais récupérer. Hop, hop, hop. Merci bien, mesdames et messieurs. Épouvantail, lol. Monte, s'il te plaît. Allez vite. Je vais voir ce qu'il y a dans ce bateau à la con. Ah, c'est quand même assez grand, hein, dans cet endroit. Je peux passer par là, non, c'est un petit peu trop gros. Alors, me dites pas qu'il y a absolument rien d'intéressant sur ce bateau, parce que... Ah d'accord, c'est même pas... Ah ouais, c'est pas un bateau, c'est une carcasse de bateau, en fait. Ouais, c'est pas vraiment un bateau, quoi. Est-ce qu'il y aurait par hasard des plans d'armes ou des choses comme ça, parce que c'est... Ça peut être intéressant si on a l'occasion de ramasser des plans. Et il y a absolument rien, quoi. Ce bateau est juste vide. Il n'y a rien d'intéressant. Il y a... Waouh, ok. Bon. Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir trouver quelque chose de potable sur ce bateau, mais même pas, quoi. Enfin, sur ce vieux bateau, sur cette épave, hein. C'est plutôt une épave, on va dire. Ah. Du carbu. Allez. Puis on va monter, hein, parce que là... Voilà. Ouais, donc nous voici pas loin. Donc voilà une espèce de tuyau. C'est pas un pipeline, hein, mais c'est un mini pipeline. Oh, qu'est-ce que c'est ça? On dirait des zèbres ou des ânes. Ouais, des ânes. On va pas prendre des ânes. Enfin bon. Après, j'en ai jamais pris. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Oh bon, allez, on file. Ok, donc là on arrive à... Ok. C'était un village, d'accord. Il est détruit... Ouais, en effet, il est bien niqué là, le village là. Ouais, d'accord. Tout a brûlé, quoi. Ah, oh, dur. Oh, dur. Ah ouais. Ah ouais, quand même, putain. Dur, dur, ce qui s'est passé ici. Tout le monde a été calciné et tout. Ah, dégueulasse, ok, bon. On va leur faire payer. Ça va pas du tout. Ça va plus. Rien ne va plus. Bon, ok, j'ai encore un peu de silencieux. J'ai vu aussi que... le pistolet, ce même-là, donc celui-là est niveau 3. Le pistolet tranquillisant niveau 5 avait le silencieux illimité. J'ai trouvé ça complètement abusé. Si... Quand je l'aurai, je pense que je serai très très content. Parce que c'est vrai que les silencieux...
to stop the leak, you need to shut down the oil transfer pump and destroy the oily water separator tank. Il fort bien, mais moi je suis pas spécialiste. Les détails dans l'hydroïde. Sûr. Bon, bref, ce qu'on va faire, ça va pas être compliqué. On va trouver un gars. Hein. On va lui soutirer des infos, comme d'habitude. Et puis voilà. Ça a toujours marché comme ça. Je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait autrement. Parce qu'on est en Afrique. Bon, il y a des ennemis. Tac. Je vais juste voir le niveau de qualification du mec. Ouais, ok, il est assez bon en infirmerie. Je vais quand même le noter si jamais on peut le... Je vais pas placer de marqueur. Si jamais on peut le recruter, pourquoi pas. Il y a un sniper en haut, j'ai l'impression. Ok, donc c'est toi qui as un bon niveau de qualif. Toi là-bas, il m'a pas vu, je crois. Là, il y a 4 mecs. Peut-être pas forcément utile de tous les... Ouais, ils sont quand même... Non, il y a 5 mecs. Ouais, d'accord, ok. Moi, je lancerais bien une greu là-dedans. Analysis. T'es mauvais. Ouf, mince, j'ai plus de silencieux. Fuck, j'ai complètement zappé ça. Hop là, allez, parle. Je parle pas ma langue, ok. Effectivement. Effectivement, ça paraît beaucoup plus logique. Ok, bon. Juste aller voir s'il y a des choses là-dedans, parce que ils avaient l'air d'être tous dedans. Et je me demande juste s'il y a des... Ok, il y a ça. Bon, il n'y a pas de plan. Ce que je voulais, c'est vraiment les plans d'une arme. Enfin, on va l'endormir. Oula. Allez, c'est mieux comme ça. Hop, allez, fais dodo. Wall people. Vas-y, vol. Oh, ça va, y'a pas tant de monde que ça, je croyais en fait. Vas-y. Peut-être un truc à récupérer là-dedans, on sait jamais. Oh oh. Ah, mais c'est bon, j'ai pu ouvrir la porte. Oui. Ah! Allez, éteins-moi ça. Oh oh, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas les cinématiques comme ça, ça veut dire qu'on va prendre cher dans notre tête. Je vois rien à l'écran, ok, à part du glouglou. Oh 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 oh, si c'est bon. Je vois des choses dégueulasses. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont là? Ah,
Ah putain, c'est dégueu. Next, destroy the oily water separator tank. That'll ensure they can never use the facility again. Détruis le réservoir. Ouais, je veux bien. On va détruire le réservoir. Donc, ouais, bon, je vais tirer à la roquette, écouter les gens. On va pas s'emmerder plus longtemps. Bon, les soldats, après, on peut descendre là. Ouais, c'est pas possible. Hop! Voilà! Allez! Ça, c'est fait! Tirer la foudre sur notre gueule. Non, je vais défoncer tout le monde. Bon, bah les couilles. Toi, ah, toi t'es pas mauvais, toi, viens là. Voilà, fais dodo. Est-ce que t'es bon, toi? Ah, il y en a, ils sont pas trop mauvais là. Hein. J'ai l'impression qu'on capture des mecs qui sont pas trop dégueulasses ici. Alors attendez, on va d'abord. D'accord, si tu veux. Il y avait un mec derrière nous, je l'ai vu. Je l'ai senti surtout, putain. Ok, vas-y. Hop. Quitter la zone, ouais, ça veut dire aller ici quoi. Bon, objectif. Objectif, on le connaît maintenant. Ah ok, je suis pas loin de la sortie quand même. Hein. Est-ce que je peux l'embarquer ce truc? Non. Apparemment non, hein, je peux pas l'embarquer. Bon allez. C'est bon là, c'est traîné ici. Oh 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 oh. Mais non. Fais dodo. Ah, j'ai pas eu le temps de l'escalier, bon, de toute façon. Ça aurait servi à rien. Il était mort, hein. Là clairement, avec l'explosion du truc. Ok, bon, on va sortir de la zone. On va sortir de la zone et puis je pense qu'on aura fini cette mission qui aura été pas si longue que ça en fait. Hein. Bon, elle était plutôt courte en fait. Même très courte. Bon, enfin bon, tant mieux. Là franchement, on a été efficace. On n'a pas été spécialement discret, ok. Mais bon. On a été rapide et efficace. C'est l'essentiel, c'est le résultat qui compte, comme qu'on dit. Donc, ça, c'est le village ensemble bien dégueulasse. Ok. À mon avis, on va avoir quelque chose à la fin. C'est pas possible que ça se finisse comme ça. Aussi rapidement, aussi simplement, là. À mon avis, on va avoir quelque chose à la fin qui va me tomber sur la gueule, mais bon. Surtout que c'est une mission principale quand même. Pas de la gnognotte. On va bientôt arriver. Ok, il pleut. Oh bah, génial. Il pleut. Ok, donc eux ils sont là-haut. Est-ce qu'ils sont très qualifiés? On va le savoir. J'ai envie vraiment de recruter des gens qui sont super qualifiés pour pouvoir
La... D'accord. Ok. Son bruit devrait camoufler celui de Nepa. Mais ça c'est pas mal, on pourra donc venir par derrière sans trop attirer l'attention. Non je... Bon ok, c'est pas grave. C'est cool. Unité de combat niveau 24, unité de développement de base niveau 23, 4-4, etc. Ok, conditions de... Ok, rempli. Oh, on a débloqué pas mal de trucs avec tout ça. Conditions de chargement auto, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Canon Gatling, oh là 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 là. Ok, on a plein de nouveaux trucs. Bon. Saner, the owner of the oil field. They were behind what happened. They hired the PF, not UNITA. They restarted the facility all the while pretending they were the victims. One other thing. Saner's Johannesburg head office is just a room in a multi-tenant building. Company's essentially non-existent. 3 years ago, that investment fund stepped in and started gutting it through a series of mergers and sell-offs, and get this. The fund itself no longer exists either. It's a shell corporation. Meaning someone is just using Saner's name from the shadows. But what about those strange corpses? Just what the hell were they doing over there? C'est le départ de la mission ici, hein. C'est pas... c'est pas là où est l'interprète en fait, hein. Moi j'ai cru que c'était carrément là où était l'interprète, je me suis dit, bon c'est bon, il est à côté. C'est juste le départ de la mission. Comment vous dire que... Ok, bon, on va voir ce que c'est ce truc. Okay. Several high-level British CFA officials are being held by their Afrikaner colleagues. One of these prisoners is the rescue target, a guy known as the Viscount. D'accord. Location is unknown. On a besoin d'un interprète pour l'interroger, oui. C'est... We've used info from the intel unit to predict the interpreter's location. It's on your iDroid. Follow the interpreter and extract the target when you find him. Suis l'interprète, d'accord. Ok. Donc l'interprète est juste à 300 mètres. Bon. Et puis après, grâce à lui, on va pouvoir sauver le vicomte, c'est ça? Bon, ça paraît pas très très compliqué. Parce que là, il n'y a rien de compliqué, j'ai l'impression. Hop. Donc voyons voir un petit peu. Là, il pleut par contre. Hein. C'est... Waouh. Ça rigole pas. Hein. Bon, il pleut en Afrique, c'est pas pour rigoler. Zone frontière entre l'Angola et le Zaïre. Zaïre, c'est que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Je pense pas non plus que la puissance économique de ce pays soit énorme. T'es bon toi. Wow, mon pote, t'es bon au combat toi. Et j'ai beaucoup de mecs qui sont bons au combat, le problème c'est que ça fait des déséquilibres. Alors voilà l'interprète, ok, bon, si tu veux. Ouais, la cible, etc. Nananani. Faire genre les mecs furtifs. Moi, je me verrai bien. À tout de suite. Crève. Et le chien vient là. The CFA are all business. Hard to believe they're interrogating their own. Wow, putain, ce mec, ce mec là avec son. Attendez, on va profiter que. Profiter qu'il vise à gauche pour aller à droite.
tac. Voilà, parfait. On va aller le chercher. Hop. Hop. Bon, je sais pas comment il fait pour sauter de cette hauteur avec un mec comme ça sur le dos, mais... Ok, il pleut. Ah oui, c'est vrai, il pleut. Du coup, on a que 90% de chance. Bon, que 90% de chance. Donc, on n'est pas tout à fait. Bon, toi, tu m'emmerdes. Analysis complete. C'est une sous-merde. Analysis complete. On va essayer. On va pas. Ouais, on va. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le. Lui, il a à gauche. Je vais essayer de le niquer pendant que. Ah non, d'accord, il suit le mouvement. Il m'a pas capté. Pourquoi tu cours, toi? Cours pas, pourquoi tu cours? Parce qu'on t'a dit de courir, mon pote. Allez. L'interprète, comment ça l'interprète? Mais c'est bon, là l'interprète, là, non? C'est pas lui l'interprète? Ah non, c'est Hopkins. Oh. Je viens de comprendre, en fait, l'interprète, c'est lui. Extraction, arrive, analysis, complete. That's not the target. Orders are only the Viscount gets rescued. Je croyais que l'interprète, c'était celui que je viens juste de... Voilà. Tic, tac, tac. Ah, et je sais plus qui c'est. C'est qui l'interprète, là, du coup, là? Je comprends plus rien. Interrogate him. Find out what he knows. That prisoner you extracted wasn't the target, but we did get some information. N'était pas le bon. The prisoners aren't held together, and the cells and the interrogation rooms are separate places. Il aurait fallu que je fasse un interrogatoire dès le début. D'accord. Oh là là. Vas-y, tourne la tête, toi. Je vais essayer d'en interroger là, quelques-uns là. Bon, apparemment sous la pluie on n'entend pas trop mes pas. D'après. Analysis complete. Ok, toi t'es pas trop dégueulasse en termes de stats. Mais... Tac. Allez, dis-moi tout là. Ah bah c'est bon. On a trouvé. Bon, je pensais que tout était dit en fait, mais non. Absolument pas, hein. Bon, partant de plus, on a 90% de chance. Ouais, ça va, hein. Franchement, faut pas déconner. Analysis complete. Mais est-ce qu'il y a des potentielles ressources par ici? Silencieux obtenu. Oh! Ça, c'est sympa, le silencieux obtenu. Le silencieux obtenu, tiens. Si on peut trouver des silencieux par-ci, par-là, moi, je dis pas non, les gens. Boss, I did some digging, and it seems the target himself gave us this mission through a representative. Obviously, he couldn't contact us directly due to his predicament. Ok, c'est cool. Il nous dit des conneries depuis tout à l'heure, le mec, ok. Oh, il y a des mecs de partout, je peux pas me faire... Analysis complete. Toi, t'es nul. Ouais, infirmerie. C'est de le recruter. Ah bah, deux secondes, mon petit pote, identifier l'objectif. C'était drôle, toi.
de 2. En revanche... Ouais, j'ai peur que si je tue lui, il va me capter direct. Lui, là. Pas trop dégueulasse comme mec. Raté. Oh merde. Oh fuck. Fuck. Putain, couche-toi, dépêche-toi là, on s'en bat les couilles du mec. Oh, le mec il s'en sort 30 ans après. Ouais, et oh, hein? Voilà, quand ça me saoule. Dégage. Ah, j'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça. Me faire repérer pour des merdouilles comme ça. Ouais, en plus, je crève quoi. Sérieux. Dépêche-toi de te soigner, mon gars. Dépêche-toi. Allez, fais pas le con là. Ah, j'aime pas ça. Franchement, les gens, ça m'énerve. Dégage. Ouais, même si c'est des bons, j'en ai absolument rien à foutre là, ça m'a saoulé. Dégage. Dégage. What? Qu'est-ce qui m'a tué? Ça, c'est pas vraiment cool. En haut, il y a un mec là qui me regarde, j'aime pas trop ça, il me regarde pas. Okay. Il est pas mauvais non plus. En fait, le niveau des mecs augmente en fait au fur et à mesure que on avance dans le jeu, ce qui est... pas le nier. Bon, l'autre est à 64 mètres. On va essayer de couche. Analysis complete. On a quand même des... Bon, lui, il est dégueulasse, mais l'autre... Voilà. The map has been updated. Avec un mec juste à côté, moi je suis pas très chaud de lire le papier maintenant. On va le faire quand même, hein, parce que voilà, ça me semble trop risqué de... Allez, regarde ce qu'il y a là-dessus un peu. Oui, il y a deux mecs à 10 mètres de moi, même pas, mais bon. Hein, voilà. Tant pis. Tu te dépêches, Snake, quand même. Bon, hein, voilà, c'est pas qu'on est. Ok. Analysis complete. Analysis complete.
Ok, j'en ai un. Allez hop, toi dégage. Hop, allez, c'est parti. Objectif suivant. Putain, c'est pas le bon quoi. Je vois un mec là-bas aussi, mais on dirait qu'il est un petit peu loin. Donc il y a un prisonnier. Oh non, non, tu vas rien faire du tout. Voilà, tu vas rien faire du tout, mon pote. Tu laisses mon prisonnier tranquillos. Voilà. Allez hop, coucou je panier. Et j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, parce que j'ai... J'ai extrait 40 millions de prisonniers. Ah bah voilà. Il manque tes bruits. Sam, mission info has been updated. The map has been updated. Alors, dis-moi tout ce que tu sais, même si on vient de finir la mission. Enfin, finir. J'en sais rien en fait. Parce que c'est des missions qui... Voilà, tu finis un objectif, t'en as un autre derrière, etc, etc. Bon, toi t'es nul, ok. Ok. Je dois faire quoi? Donc sauvegarde. Ok, donc bon, c'est simple, faut juste quitter la zone de danger. Ça va être rapide. Sachant qu'on est à quelques... Ouais, quelques mètres, peut-être. Hop. Je pense qu'on aura fini cette mission et avec une cinématique derrière, je sais pas vraiment ce que ça va être. J'ai 2 soldats. Voilà, mission accomplie, boum, bitch. Ça c'est fait. Allons voir un petit peu ce que le reste nous réserve. One of the other British prisoners filled us in about the Viscount. It turns out he's a real two-faced son of a bitch. He was planning to secure the MPLA's oil field rights for himself in exchange for swapping the CFA's alliance from the anti-government United Rebels to the state-backed MPLA. He hid this from the Afrikaners, but once he thought the jig was up, he tried to pin it on the other British personnel and take off. The Afrikaners captured him, and that was when he asked us to rescue him, and only him. I'll throw him in the brig for now, but we may have to be extra persuasive with this one. By the way, boss, we got some interesting news out of our friend the Viscount. He mentioned that more than a few PFs in the region have purchased Walker gears. The CFA's the same. That's Soviet Army technology, and it's still a prototype. Only Cypher could be leaking it to the PFs. But the question is, why? Work today, boss. Welcome back, boss. Another successful mission. Great to see you safe, boss. Snake, you stink. Ok, très bien, c'est comme ça qu'on m'accueille quand je rentre. Bon, ok, je peux comprendre que après tout ça, je me suis peut-être pas lavé depuis 2 ans. Mais bon, c'était assez marrant. Bref, les gens, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo bien sympa, la petite escapade en Afrique centrale.
J'ai bien aimé, franchement. À part le coup du prisonnier, j'ai trouvé ça un petit peu relou. Je trouve ça vraiment relou, le coup de « Ah, c'est pas le bon prisonnier, va ici, va là-bas. » Bon, bref. En tout cas, les gens, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. On se retrouve à l'épisode prochain. Ciao.